Bienvenue sur notre chaîne consacrée à l'actualité du Paris Saint-Germain, où nous vous apportons chaque jour les dernières informations sur le club, avec des analyses en profondeur, des discussions sur les transferts, des points de vue sur les blessures et des prévisions sur les performances à venir. Le PSG, club phare de la Ligue 1, attire l'attention non seulement pour ses stars, mais aussi pour ses défis tactiques et les tensions au sein de l'équipe. Si vous êtes un véritable fan du PSG, cette plateforme est faite pour vous. Restez connecté pour tout savoir sur le Paris Saint-Germain. Barco Laberaldo, un duo qui pose question. Le match contre Reims où le PSG a concédé un nul 1 à 1, a une fois de plus mis en lumière certaines fragilités de l'équipe, notamment sur le flanc gauche. Ce secteur du terrain, qui devrait être une force avec des joueurs rapides et techniques, s'est révélé être un talent d'Achille au cours de cette rencontre. Le duo formé par Bradley Barcola et Luca Beraldo n'a pas répondu aux attentes, soulevant des inquiétudes quant à leur capacité à maintenir un niveau de performance constant dans une saison où le PSG ne peut se permettre des faux pas. La confrontation face à Reims a révélé une gestion du turnover qui, cette fois, n'a pas été à la hauteur des attentes. Luis Enrique, en quête de maintenir son groupe frais et compétitif a fait des choix forts en titularisant certains remplaçants mais ses décisions n'ont pas été récompensées par une prestation convaincante sur le terrain. barcola et beraldo deux joueurs qui devaient prouver leur valeur ont au contraire montré leurs limites remettant en question la profondeur de l'effectif et les choix tactiques du coach espagnol bradley barcola un jeune talent en pleine tourmente l'un des principaux points de discussion après ce match est sans doute la performance de bradley barcola recruté en provenance de l'olympique lyonnais le jeune ailier était initialement vu comme l'une des futures stars du club capable de les défenses adverses mais après un début de saison prometteur barcola semble aujourd'hui en proie à des doutes profonds sur le plan physique il reste impressionnant mais son manque d'impact sur le jeu commence à inquiéter face à reims il a été presque invisible ne remportant que trois de ses dix duels et perdant fréquemment le ballon dans des situations dangereuses sa note de 3 dixièmes est un signe clair de sa mauvaise passe actuelle l'ailier qui devait être une arme offensive clé n'a pas réussi à créer de réelles opportunités ni à apporter le soutien nécessaire à la défense les supporters se demandent maintenant si barcola traverse simplement une mauvaise période ou si son intégration dans le système de Luis Enrique ne se déroule pas aussi bien que prévu. Le jeune joueur manque de confiance et semble avoir perdu la spontanéité qui faisait de lui un danger constant pour les défenses adverses lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'OL. Ce manque de rendement soulève des questions. Est-ce un simple passage à vide ou un problème plus profond lié à son adaptation au PSG Lucas Beraldo, une défense en difficulté. Si Barcola est au cœur des critiques, il n'est pas le seul joueur à être sous le feu des projecteurs après ce match. Lucas Beraldo, jeune défenseur brésilien, a également connu une soirée difficile. En charge du côté gauche de la défense, il a été pris de vitesse à plusieurs reprises, notamment par l'attaquant Rémois Juniaïto, dont la vivacité a exposé les lacunes du défenseur parisien. Le but encaissé par le PSG dès les premières minutes du match découle d'une relance approximative de Beraldo, qui n'a pas suggéré la pression. Ce manque de sérénité s'est ressenti tout au long de la rencontre, où il a souvent semblé en retard sur les actions et incapable de relancer proprement. Ces insuffisances défensives se sont également traduites par un manque d'impact offensif. Dans le système de Luis Enrique, les défenseurs latéraux doivent être capables de se projeter vers l'avant, mais Beraldo n'a jamais réussi à apporter ce soutien crucial, laissant un vide sur le côté gauche du terrain. Avec une note de 3 dixièmes, la performance de Beraldo n'a pas convaincu. Les attentes placées en lui, notamment après les blessures de cadre comme Nuno Mendes, étaient élevées. Mais le défenseur brésilien devra montrer beaucoup plus pour gagner la confiance de son entraîneur et des supporters parisiens. Les latéraux un problème structurel au PSG, les performances de Barcola et Beraldo lors de ce match contre Reims ne sont pas des cas isolés. Depuis le début de la saison, le PSG semble avoir du mal à trouver une stabilité sur les côtés, et cela commence à peser lourd dans les résultats. Les blessures récurrentes de joueurs clés comme Nuno Mendes et Ashraf Hakimi laissent des trous béants dans le système de jeu de Luis Enrique. Sans des remplaçants de qualité, le PSG pourrait bien souffrir lors des échéances à venir, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. L'absence de renforts significatifs lors du mercato, notamment au niveau des latéraux, est aujourd'hui un sujet de débat. Beaucoup considèrent que le PSG aurait dû recruter des joueurs capables de concurrencer Mendes et Akimi pour éviter de se retrouver dans une telle situation. Cependant, Luis Enrique semble toujours faire confiance à ses jeunes talents, en espérant qu'il élève leur niveau de jeu au fur et à mesure de la saison. Luis Enrique, la défense de Barcola et le défi collectif. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie de soutien inconditionnel à ses joueurs, a pris la défense de Bradley Barcola après le match. Le coach espagnol a déclaré. Barcola est un jeune talent avec un potentiel immense. Il traverse une période difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut rester soudé. Il a toute ma confiance et je suis sûr qu'il retrouvera vite son meilleur niveau. En rejetant les critiques individuelles, Enrique montre qu'il préfère se concentrer sur la performance collective plutôt que de pointer du doigt un joueur en particulier. Cependant, cette stratégie de ne pas faire de changements drastiques pourrait poser problème si les résultats ne suivent pas. Le PSG a des objectifs très élevés cette saison, avec une forte attente en Ligue des Champions, et les performances individuelles devront s'améliorer rapidement si l'équipe veut rester compétitive sur tous les fronts. Joao Neves, un jeune milieu frustré. Un autre jeune joueur du PSG, Joao Neves, s'est également distingué lors du match contre Reims. Contrairement à Barcola et Beraldo, Neves a montré de belles choses sur le terrain, mais cela n'a pas suffi pour empêcher son équipe de concéder un nul frustrant. À la fin du match, il a exprimé sa frustration, déclarant. Nous aurions dû gagner ce match. Nous avons dominé, mais nous devons être plus efficaces devant le but. Les paroles de Neves reflètent un état d'esprit compétitif, mais aussi un certain malaise au sein du groupe parisien. Malgré les efforts individuels, l'équipe peine parfois à concrétiser ses occasions et à capitaliser sur sa domination dans le jeu. Cette inefficacité pourrait devenir problématique si elle persiste dans les grands rendez-vous européens à venir. L'énigme de l'avant-centre, Ramos blessé, Colo Muani sous pression. La blessure de Gonzalo Ramos pour une durée de trois mois a laissé un vide au poste d'avant-centre, un rôle crucial dans le système de Luis Enrique. Le club parisien avait pourtant décidé de ne pas recruter d'avant-centre supplémentaire lors du mercato estival, mis en tout sur Randal Colo Muani, recruté pour la somme astronomique de 90 millions d'euros. Cependant. Colo Muani peine à convaincre depuis son arrivée. Bien que le joueur ait montré une grande polyvalence, évoluant à plusieurs postes offensifs, son rendement en tant qu'avant-centre pur reste en deçà des attentes. L'attaquant français est sous pression pour élever son niveau, d'autant plus avec l'absence prolongée de Ramos. Luis Enrique a cependant défendu son choix de ne pas recruter d'autres attaquants, affirmant que, Colo Muani est un joueur extraordinaire, capable d'occuper plusieurs positions offensives. Nous avons une équipe complète et compétitive, Toutefois, la question reste de savoir si cette stratégie est viable à long terme, notamment en Ligue des Champions, où le PSG aura besoin d'un buteur efficace pour se frayer un chemin vers les phases finales. Blessure de Doué et Canin-Lee, un coup dur pour le PSG. En plus des performances en demi-teinte de certains joueurs, le PSG a dû faire face à deux nouvelles blessures lors du match contre Reims. Désiré Doué et Kanin-Lee, deux éléments importants dans la rotation de l'équipe, ont dû quitter le terrain prématurément. Laissant Luis Enrique avec encore moins d'options à disposition. Canin Lee, qui a été l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, est sorti en boitant, ainsi inquiétant à l'approche d'une période cruciale avec des matchs de Ligue des Champions. Quant à Doué, son état est également préoccupant, et des examens médicaux doivent déterminer la gravité de sa blessure. Le retour attendu de Marco Asensio. Au milieu de toutes ces difficultés, le PSG pourrait recevoir une bonne nouvelle avec le retour imminent de Marco Asensio. L'attaquant espagnol, qui a été blessé pendant plusieurs semaines, a repris l'entraînement collectif et pourrait être disponible pour les prochains matchs. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.